Ouais. Qu'est-ce que t'as? Mon père a perdu sa job, là. Plus de cash. Il est dans le mal. Hey, ben là, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je sais pas, là. Si on trouve pas d'argent, je vais être obligé d'aller en famille d'accueil, puis mon père, il va être dans la merde encore pas mal plus, là. Il va être sur l'aide sociale, puis ça sera pas trop beau. Hey, mais tu pourrais aller voir Bambino. Bambino? Tu es malade. Il fait peur à tout le monde. Penses-tu vraiment qu'il va me donner de l'argent? Faut juste lui demander. Va voir Vito, le meilleur ami de Bambino. Si tu réussis à le convaincre, là, il va t'apporter à Bambino, puis ton père, il va être sauvé de la faillite. Moi, je vais y penser. Vito? Ok, toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, moi, c'est Anthony. J'aimerais ça aller voir Bambino. Tu veux voir Bambino? Pourquoi? Regarde, je te préviens, hein. Si tu veux de l'argent, là, il va te péter à gueule si tu rembourses pas. Ouais, je le sais, mais je veux quand même le voir. Bon, il doit être habillé à ce temps-là, donc je peux t'amener le voir si tu veux. Bon, écoute-moi bien avant qu'on arrive. Nicolo, c'est pas un gars dangereux, de quelque façon que ce soit. En fait, c'est juste grâce à son père qu'il a du pouvoir. Son père, c'est Mario Bambino, le parrain de la mafia dans la région. Fait que, fais pas le con. Si t'essaies de nous dénoncer, là, il va envoyer ses gangsters pour te chercher. Ah, c'est vraiment pas mon intention. Comment que je fais pour m'adresser à lui? Ah, c'est bon, tu demandes ça. Dans le fond, lui, il faut qu'on l'appelle Monsieur Bambino. Mais si tu veux vraiment le faire aimer, faut que tu l'appelles Messere Bambino. Parce qu'il aime bien quand il rappelle ses origines italiennes. Ah, buongiorno, Messere Bambino. Hey, 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 parle-tu pas italien? Parce que s'il parle italien, tu vas l'embarrasser. Il sait pas parler la langue. Ah, ok. Bon, salut. Oh, il est temps. Chercher. Hey, yes. J'ai quelqu'un juste là qui veut voir Bambino. Est-ce qu'on peut? Ouais. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm having with the D.R.E. Shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang. Bon, ok, Nicolo, c'est Anthony, je viens de le rencontrer. Anthony, Messere Bambino. Salut. Bon, les filles, vous pouvez nous laisser. Anthony, il me disait justement matin qu'il avait besoin d'argent et que tu pourrais peut-être l'aider. Pourquoi t'as besoin d'argent? Mon père est en train de faire faillite. Il trouve pas de job. Ça tombe bien, je peux t'en prêter de l'argent. Il y a combien là-dedans? Assez pour te sortir de la faillite. Prends-le. Quand est-ce que tu veux que je te rembourse? Fais-toi-en pas avec ça. Mec, j'ai besoin d'argent, je te le dirai. Bon, t'as de l'argent à cette heure.
Merci. Quoi, qui c'est qu'il y a là? Ouais, mais je me suis fait attaquer là-bas, j'ai perdu l'argent. Ben, si tu veux que j'y fasse, t'avais dit que tu rembourserais, tu l'as dit à Nicolo. Si tu rembourses pas, si tu trouves pas l'argent ailleurs, t'es dans la merde. Ouais, mais je me suis fait voler, Nicolo il peut pas comprendre ça. Bon, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Ouais, t'es. Il est temps là, installe-toi. Ben, comme il faut là. Bon, mais qu'est-ce qu'on attend? Oh, tu vas voir, ça s'en vient dans pas long. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il en corrige. Ouais, mais elle a rien fait! Hey, écoute-moi bien. Elle devait 5000 piastres à Nicolo Bambino, ok? Puis tu sais ce qui est arrivé quand c'était temps de rembourser? Sa mère est décédée, puis il a fallu qu'elle prenne l'argent pour l'enterrement. Fait que, penses-tu que parce que tu t'es fait voler, Nicolo Bambino va avoir de pitié pour toi? Il a pas de pitié. Fait que, tu laisse faire ça, c'est clair. C'est correct, là? Bon, écoute-moi, là. Si tu veux éviter la même chose que cette fille-là, il y a une solution. Tout ce que t'as à faire, là, c'est de travailler pour Bambino. C'est sûrement de la job pour toi, il y en a tout le temps. Comme je te dis, t'as pas remboursé le temps que je te demande pas. Mais c'est pas vrai que j'ai oublié la dette parce que tu prétends t'avoir fait voler. Non, mais ça. Mais Vito m'avait dit que si je ferais un travail pour toi, ça pourrait compenser. C'est vrai, mais ce que j'ai à t'offrir, c'est vraiment pas facile. Oui, mais je suis prêt à tout. Ton ami Maria, mon père m'a demandé de trouver quelqu'un pour prendre soin d'elle, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux que je la tue? Genre. T'es-tu malade? Pourquoi faudrait-je la tuer? Ça t'en donnera pas ton argent? C'est la job que je t'offre. T'apprends-tu? Mais jamais! Bon, ouais, qu'est-ce qu'on va faire pour me rembourser? Je tuerai pas du monde, en tout cas. Ça veut dire que tu vas finir comme Mario? Tu es-tu vraiment correct ça, tu vas te racabésique? Essaye donc de m'emmener voir. C'est-tu un défi? Tu veux vraiment me provoquer? Mon père est en faillite, j'ai plus rien à perdre. Je ferai rien pour toi et ton argent, mais là où est-ce que je pense? Filio da putana! Vito, au racabésique! Bastardo! Attrapez-le donc, gang d'incompétents! Thank you.
ben trop faite. Ah ouais, Vito, faut que ça en aille. Je l'ai eu, boss. On s'en est occupé. Bon. Ma stratégie a pas marché. On va attendre que quelqu'un d'autre me demande d'argent pour commencer.